Hi, soyez les bienvenus à What is School of Languages. In this lesson, we are going to practice the use of masculine and feminine noun in French. So kindly, let's have a look at the passage here. Form noun from masculine to feminine. We have the passage. We are going to replace the words in blue color with the feminine gender. So let's start. I'm going to read, and as I read, you change it automatically. Depuis hier, j'ai une nouvelle voisine. Elle m'a présenté ses enfants. Quatre garçons, you know, we need a feminine of garçons, so quatre filles. Elle-même est institutrice. You have ça. You don't say sa frère, and you say sa sœur vit avec eux. C'est une personne très sympathique. Elle est directrice du zoo de notre ville. Elle nous a parlé de la chamelle qui vient d'avoir un petit. Elle nous a invité pour visiter le zoo, le parc zoologique, ainsi que nous pourrons admirer la tigresse ou encore la lionne. J'ai un peu peur de ces animaux. Je préfère ceux de notre ferme. La brebis qui est très douce, la chèvre qui donne du lait, l'ânesse qui pousse des grands cris, l'oie qui court dans le pré avec ses petits, la chienne qui dort devant sa niche, la chatte qui s'occupe si bien de ses petits, et même la vache qui nous donne aussi du bon lait avec lequel je fais du beurre. This is the end of the activity. You can play the video and practice it. Merci et à la prochaine. In the next lesson, we are going to begin the French articles. French article. Merci, au revoir, bye bye.